Madame Wintour, que vous est-il arrivé? Vous êtes en retard. Bonsoir. Posez votre manteau derrière vous. Asseyez-vous, je vous prie. Oui, la dernière fois, vous m'avez dit de venir vous raconter lorsque je faisais un rêve. Bah, la nuit dernière, j'en ai fait un, hein, mais c'était un vrai cauchemar. J'étais seule au milieu d'une scène, dans un silence total, et j'étais complètement paniquée. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela peut symboliser ma solitude depuis que Shelby et moi avons divorcé? 16 ans, envolée en fumée. Je suis une personne très seule. Je fais que travail. Je ne peux pas me permettre la moindre faux pas. Vous savez, les derniers mois ont été difficiles. Et à cette polémique dont je n'arrive pas à me débarrasser, les gens ne veulent pas me comprendre que si Camilla paraît plus blanche qu'elle naisse, c'est seulement dû aux éclairages. Et de m'accuser, moi, de quoi? De ne pas rendre hommage aux femmes de pouvoir comme elles, alors que moi, je suis la pépesse de la mode. Je m'y connais pourtant en pouvoir. De quelque manière qu'on s'y prenne, on s'y prend toujours mal. Et encore, ce pouvoir qui commence à être remis en question par beaucoup. Lorsque j'ai pris mes nouvelles fonctions professionnelles, le public s'est demandé si cette promotion n'était pas une mise à distance de mon univers fétiche. Ce n'est pas le mal, mais le bien qui engendre la culpabilité. Soyez ce que vous avez toujours été. C'est impossible de souffrir de la sorte. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous avez fait le bon choix en venant me voir. Je vais peut-être pouvoir vous aider à traverser cette période délicate. Vous savez, nous sommes plus proches qu'il n'y paraît. J'ai l'impression de vous comprendre parfaitement. Alors écoutez-moi bien. J'ai une thérapie un peu particulière. Elle est très efficace, mais il faut me faire confiance. Si vous restez seul aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous en sortir. D'accord. Alors maintenant, reposez-vous. Étendez-vous. Lâchez prise. Je ne veux que votre bien. Ne pensez à rien. Imaginez. Imaginez une montagne. Une montagne qui vous pèse. Pour vous en sortir, vous allez la gravir. Elle est le symbole du chemin que vous allez parcourir. Elle est là. Vous la voyez? Bien. Vous savez, les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes. Maintenant, je vais vous demander de retirer ces choses qui vous pèsent. Oui, doucement. Elles représentent les pressions que vous vivez, les pressions que vous subissez. Vous allez vous libérer à votre rythme et avancer. Et vous allez vous sentir bien. Personne ne croit à sa propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Madame Wintour, vous êtes en retard.